embrasse-moi comme si j'étais ton ex. Je suis ton ex, là. C'est pas Agnès, ton ex. Ça va, ça fait longtemps. Ouais. Et toi? Comment ça? Tu as envie sur la bouche à ton ex, toi? Oh, je suis ton ex. Saint-Pierre. C'est pas Agnès, je suis ton ex. Appuie toutes tes forces. Tu connais? Non. Ah. Bah t'as dit t'es mon ex. Ok, c'est bon. Embrasse-moi comme si j'étais ton père. Là, je suis ton père. Ça va, Zizou? Ça va? Mouah. Mouah. Sinon, je le check, ça va. Ok. Embrasse-moi comme si j'étais ta meilleure amie. Je suis ta meilleure amie d'enfance. Genre pour lui dire bonjour, ou c'est parce qu'elle a un bête de truc? Elle a un bête de truc. Genre, c'est son anniversaire? Ouais. Joyeux anniversaire. Merci. Pourquoi tu frôles la bouche, là? Profite bien. C'est bizarre, un peu. Mauvais anniversaire, profite mal. Ouais. Embrasse-moi comme si c'était le jour de notre mariage. Ah mais je... Oui, je le veux. Tu dois dire oui, je le veux. Oui, je le veux. Fais comme ça. Ah, mais la honte, frère, tu fais pas ça, hein. Bon, je la prends la mariée, je la mange. Et puis, je fais des bisous sur le front aussi. Voilà. Et embrasse-moi comme si j'étais chouchou. Pour ceux qui savent pas, c'est le notre chien chouchou. Bref, on va faire les courses. Okay. Je lui fais croire que j'ai tapé Agnès pour voir sa réaction. Coucou les gens! Bah dites coucou aux gens dans le live. Coucou les gens. Salut les gens. Bah Agnès, tu peux dire bonjour aux gens en fait. Je viens de dire salut là en fait. Bon, aujourd'hui on va aller faire du shopping. Yes, avec la carte à Zizou. Non, avec la carte à Agnès, je suis un pigeon moi. Bah oui, t'es mon pigeon, tu me payes tout en fait. Pardon, moi je suis un pigeon. Mais c'est toi. Moi je suis un pigeon, Agnès. On tape pas une femme, non? Ah, il m'a fait. Tu crois que je suis un pigeon? Et alors? Je vais m'étouffer. Mais elle a pas qu'à dire que je suis un pigeon. T'en vas pas ou quoi? Écoute ça tout de suite là. Et bah, Alex, excuse de dire que je suis un pigeon. Non, mais excuse-moi, je vois pas. Mais regarde là. Où t'as vu ton mec? Et toi, t'as vu à cause de toi, ma mère elle te défend maintenant. Je vais t'en mettre une à toi, hein. Où t'as vu qu'on tape une femme? Non, mais ça va pas ou quoi? Bah, si je vais la taper, je la tape. Mais c'est ta femme, abruti. Et alors? Ça ne se fait pas, ça n'existe pas ici, non? Tu t'es cru où là? Bon, arrête de chialer là! Excuse-moi, ça va aller là! Excuse-toi, dépêche-toi! Je sors de la voiture, il me fait trop mal! Tu vas arrêter tout ça dans ta vie, toi, force! Mon col va! Ça va pas, elle n'a pas le droit de taper les femmes, non? Elle a pris son rôle tellement à cœur, ma mère! Je lui fais croire que je suis en prison. Allô? Bonjour! Allô? Une détenue de la prison de Paris qui se nomme Agnès cherche à vous joindre. Souhaitez-vous prendre l'appel? Oui ou non? Bah oui, oui. Veuillez patienter, cet appel vous sera facturé 2 € la seconde. Putain, c'est cher. Allô? Allô? Mon cœur a un problème. Qu'est-ce que tu fais, Agnès, là-bas, en prison, là? Je suis en prison, faut que tu viennes me chercher, il y a plein de cafards. Comment ça, il y a des cafards avec... Comment t'as fait pour atterrir là-bas? C'est ça, il y a de la poussière partout, en fait, je t'explique. Je voulais t'acheter un cadeau pour Noël. Et il y a une pétasse qui a pris le cadeau avant moi. Et du coup, je l'ai poussée. Je l'ai poussée, elle est tombée. T'as pas fait ça, Agnès. Et mais du coup, ils m'ont emmené en prison. T'as pas fait ce que je pense. Si. Tu l'as poussée? Oui. Oh là, aïe, 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 aïe. Faut que tu viennes me chercher, faut que tu viennes me chercher, je reste pas ici. Bébé, je peux plus venir te chercher, c'est fini pour toi. Pourquoi? T'es mort. Pourquoi? Mais tu peux plus faire ça, tu vas faire ta vie là-bas. Non, je t'en supplie, viens me chercher, fais quelque chose, y'a des cafards, ça pue. Mais tu, t'as pas un truc pour essayer de creuser dans le sol ou je sais pas? Mais tu je creuse avec quoi? Dépêche-toi. Vas-y, je sais pas, y'a pas un gardien. Non, y'a personne, faut que tu viennes me sauver. Eh, vas-y, tu sais quoi, vas-y. Bébé, tu sais quoi, ce soir tu sors, c'est bon, j'arrive, vas-y, on va tranquille. Oh, t'es trop mignon. J'arrive. Merci. Je t'aime, bébé. Je t'aime, bisous. Un couple pas intelligent qui joue à cache-cache. Regardez ce que je viens de découvrir. Avec Aya, on peut se cacher dedans. Bébé! Viens voir! On va faire un bête de jeu. On joue à cache-cache. Regarde ce que j'ai trouvé. Viens, moi je suis pas là. Non, je suis claustrophobe. On dit claustrophobe. Elle vient du quoi? Elle va jamais nous trouver, attends. Mais si! Il faut que tu te descends. Ah ouais? Oui. J'arrive pas. Mais si. Là, comme ça, attends. Là, c'est bon. Encore. C'est bon. Maman! Olivia!
Maman! Quoi? Viens nous chercher! Attends, je vais chez la voisine, je reviens! Ça, elle est pas drôle! Mais les cerveaux, c'est quoi, là? Ah! Comment on peut sortir? Bah, ouvre, Anya! Mais je peux pas! Mais appelle ta mère! Mais putain, mais on peut l'ouvrir de la tailleur, merde! Mais non, on peut pas, parce que je suis à l'intérieur! Mais j'ai pas mon téléphone! Putain! Je filme avec mon téléphone, Anya, arrête là! Mais j'ai pas mon téléphone, je l'ai mis à charger, putain! Putain, maman! Ouverture de mon calendrier, jour 10! Bon, les gens, calculez pas parce que là on va rajouter des cadeaux. Mais c'est tout petit. Et alors? T'insinues quoi? Bah, je sais pas, genre, je préfère quand c'est grand, bref. Anya, pardon? Quoi? De quoi tu préfères quand c'est grand quoi? Bah, les cadeaux! Ouais. Bah, je te jure, c'est mieux. J'espère que tu parles pas d'autre chose. Non, pas du tout. Bon, du coup, je pense que vu la taille, c'est soit un vernis, soit un rouge à lèvres. Vas-y, ouvre. Là, il y a juste un indice, il y a marqué Hot Chérie. Bah, ouvre. Hot Chérie, ça veut dire quoi? Bah, ouvre. Hot Chérie, tu me fais des. C'est de la marque, hein? Des messages subliminaux, là? Ah, bah oui, Hot Chérie, j'aime bien quand t'es hot. Tu m'appelles Chérie? Vas-y. C'est de la marque? Bah oui. Oh, Fenty Beauty! C'est merci. Fenty Brutti. Bah quoi? C'est pas Bruni. T'aimes bien? Oh, rouge! Bah oui, la dernière fois t'en voulais un. Hein. Mais je mets jamais cette couleur. Bah je sais, mais la dernière fois t'en voulais un. Hein. Oui, mais ça, c'est un gloss, ma vie, c'est pas du rouge à lèvres. Du gloss rouge, c'est bizarre, non? T'aimes pas? Si, je... Vas-y, bah mets sur ta. Mais, vas-y, mets. Ok. Alors? Bah, non, j'ai juré, ça change. C'est beau? Bah oui. Regarde. Mouah! Merci, mon bébé, j'aime trop! Mouah! Ouverture de mon calendrier de l'Avent, jour 12 et 13. Parce que hier, bah, j'ai oublié de l'ouvrir. Donc, t'as deux cases. Ok, 12 et 13. Alors, on commence par la 12. Qu'est-ce que ça fait? Oh, on dirait un iPhone, mais genre long. C'est le nouvel iPhone, ma vie. Oh, arrête de mentir, ça n'existe pas. C'est le 15. Oh, oh, trop bien. Encore mieux du maquillage. Du rouge à lèvres, Kylie. J'espère que t'as pris de bonnes couleurs. Hein. Bah, vas-y, après. Ouvre. C'est quoi comme couleur? Waouh, wow, ça a l'air trop beau. J'ai trop hâte de l'essayer. Merci, ma vie. De rien, bébé. Mouah. C'est quoi ce petit... Ça, c'est quoi? Ouvre. C'est encore un iPhone géant. C'est un iPad. Oh ah non. C'est quoi? Oh, ça sent super bon par contre. C'est quoi? Nocibé. 3 mini bougies. Oh, trop bien, ça sent super bon. Tu t'as insinué quoi? Que ça pue à la maison? Bah. En même temps, t'as qu'à sortir les poubelles. Hein. Oh! Ça sent trop. Oh, ça sent trop bon, ma vie. T'es contente? Oh, ça sent le oud. J'aime trop, merci. Mouah. Je leur fais croire que je veux faire Miss France 2025. Toi, tu veux faire Miss France? Oui. Mais t'as pas les cheveux courts pour faire Miss France? Non. Bah, faut avoir les cheveux courts maintenant pour faire Miss France. Bah, si, en plus, elle est très belle, je suis désolé. Mais moi, je suis pas belle! Ah, bah, elle est belle d'être Miss France, mais pas toi! Mais en 2021, en 2025, c'est moi qui mérite! Bah, oui, t'es belle, Anya. Mais là, ma vie, faut avoir. J'ai une poupée. Mais non, regarde, elle a des grosses joues. Mais ça va pas ou quoi? Et toi, c'est quoi ça? Non, mais regarde là, même la taille! Et bah, elle a une taille de guêpe! Mais non, mais regarde, elle a pas un poil de graisse! Bah si, c'est regarde! Pas bien, mais c'est un tout, ça, c'est un ado! Ça, c'est rien, ça, c'est des contractions! Mais non, mais les seins, normalement, ils doivent être plus gros pour les miss! Pas obligé! Bah, les fesses aussi! Bah, non! Les fesses! Bah, ouais! Bah, oui, regarde, c'est rebondi! Bah, ouais, c'est rebondi! Mais t'es pas assez grande! Mais c'est pas grave, j'ai des talons! Bah, oui! Je sais pas! Comment ça, elle est pas si grande? Moi, je sais pas! Mais pourquoi que je me raconte, le mec, que je fais sa taille! Non, tu pourrais pas faire Miss France. Moi, je te vois pas dans Miss France. Ah tu, tu... Il a peur. T'es belle, mais. Ah, t'es jaloux. Ah, non, je suis Miss France. Voilà. Parce que tu sais que tous les hommes. Ils mais tu vas pas faire Miss France, tu ressembles à un cafard. Voilà. Et tu ressembles à quoi, toi? Oui. Moi, je t'encourage. Je t'encourage, t'es belle, Anya. T'es belle. Les gens, je vous explique, la situation est très très grave. Comme vous avez vu, Anya n'a pas fait TikTok aujourd'hui, elle était vraiment en dépression. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais en tout cas, elle était pas bien. Comme tout le monde, des fois, il y a des jours où ça va pas très bien. Les filles, je vous dis, j'ai pas fait le meilleur cadeau qu'on puisse faire à une fille. Je lui ai pris la crème qui était introuvable. Drunk Elephant. Première étape, on fait couler l'eau du bain et ensuite, on va rajouter les boules pour le bain. Petite bougie aux fruits rouges. J'ajoute la bombe de bain. Ah, pourquoi il se passe rien? Ah, j'ai oublié d'enlever le truc. Ah les gens, j'en ai d'avoir dans la bouche, ça a le goût salé. Bon, cette fois, ça va marcher. Waouh. C'est pas trop beau?
Ensuite, je rajoute ma petite rose. C'est trop beau. Et maintenant, on ajoute des petites pétales. Regardez, ça fait pas trop romantique. C'est trop mignon. Bébé, viens voir. Ouais. Regarde. Quoi? Tadam! Waouh, je m'avais coulé un bain. Bah oui, aujourd'hui, t'as été trop trop triste, mon bébé. Donc là, tu peux te relaxer. Oui. Tranquille. Pas et t'as le cadeau que toutes les filles aiment. En ce moment, ouvre. La fameuse crème sous-titrage. Elle était en rupture. Hein. Comment ça fait pour la trouver? Je la trouve nulle part. Et bébé, je peux aussi te dire que demain, on a une surprise. Quoi? Tu verras. Mais je vous laisse deviner dans les commentaires. Pour savoir, c'est quoi? Je lui fais croire que j'ai cassé la poudre qu'il m'a achetée pour voir sa réaction. Oh merde! T'as cassé quoi? Oh, purée! T'as cassé quoi? Que tu m'as acheté. Mais ça coûte cher. Oh non, il est en miettes. Oh non, il est en miettes. Oh merde. Putain. Mais putain, mais tu fais chier, Anya. Oh non, mais c'était mon highlighter préféré. Bah ouais, c'est ton préféré en plus. Oh non, bébé. Tu fais chier, tu casses tout. Tu me craches dessus. J'ai pas fait exprès, j'ai voulu prendre, ma main a fait ouh. Bah t'as pas fait exprès, c'est pas grave. C'est pas grave, même ça. Bah si, c'est grave parce que c'est cher. C'est moi qui paye. Et je paye tout. Et tu peux m'en acheter un autre. Ma vie, j'ai pas fait exprès, je te jure. Je sais pas si je peux en acheter un autre. Bah non, j'ai pas en acheter un autre, non. Même parce qu'il y a pas marqué de pigeon. Mais j'ai pas fait exprès, ma vie, on peut pas les changer. Bah si, je pense qu'on peut le changer. On peut pas les changer. On peut pas les changer, tu l'as utilisé. On fait quoi du coup? Tu m'en veux? Je peux pas faire. Non, je t'en veux pas. Bah si, je t'en veux parce que j'en ai marre de payer pour rien. C'est bon, je m'as saoulé là. Ma vie, je rigole, regarde. C'est lui que tu m'as acheté. Je t'achète tout de toute façon. Oh, il est cassé lui aussi. Vous savez, cette semaine a été très compliquée pour Zizou. Il a été en garde à vue et donc du coup pour le réconforter, je vais dans sa boutique préférée, Louis Vuitton. Oh my god, regardez toute la queue pour Louis Vuitton. Heureusement que ma copine travaille chez LV, j'ai passé en VIP. Oh, j'adore la nouvelle malle. Oh, 4500. Ah non, c'est pas pour nous ça. Regardez cette pochette, elle est trop belle. Elle est assortie à mon sac en plus, j'aime trop. Je trouve celle-là trop trop déclassée, j'aime beaucoup. Je lui offre dans le prochain TikTok. Les gens, écoutez ce que Anya vient de me dire. S'il te plaît, refais-moi mes sons. C'est parti. En fait bébé, t'as cru que j'étais un ongliste? Oui. En plus elle me dit oui. En vrai j'aime bien, tu sais pourquoi? Parce qu'on dirait les travaux manuels comme j'étais petit. Toujours je comprendrais pas pourquoi on paye ça 10 euros. Du plastoc les amis, je vous le fabrique moi-même. Enfin non, j'abuse. Les gens, elles payent ça, mais elle est bien, 10 grosses. Euros. J'aime trop les grosses. Maintenant elle veut une couleur pour peindre ses ongles. Hein, mais c'est une blague Anya là. On lui pose dans le prochain TikTok. Oui. À mon tour de faire la chasse aux œufs pour Zizou. Vous allez voir, je suis trop fort. Et on va aussi en offrir à l'hôpital. Oui. On va prendre des chats, des sucettes au chocolat pour qu'il apprenne à mieux lécher, des chiens Condor, un chien avec ses bébés, des éléphants, des chocolats Hello Titi, des Kinder Joy. Waouh, regardez tous les chocolats pour les enfants. On fait la chasse à Zizou et on les dépose à l'hôpital. On prend que ma mère, on va lui faire croire qu'on est tout nus. Elle va péter un câble. Est-ce que t'es prêt pour voir nos nouvelles tenues dans 3, 2, 1, regarde. Ah, mais ça va pas ou quoi, petite crème, j'ai envie de faire ton petit. Je lui offre son cadeau. Mon cœur, cadeau. D'accord. Doucement, doucement. Je peux ouvrir? Oui, vas-y, c'est pour toi. Oh, c'est trop mignon. Oh, t'aimes bien? C'est un jogging? Non. Ah, c'est un short. C'est pour l'été, pour les vacances. Nous avons quelles vacances? On n'a pas d'argent. Les filles, si vous voulez faire plaisir à votre mec, offrez-lui du Lacoste, c'est une valeur sûre ou mais pas? Mais t'as quoi à te reprocher? Bah rien, mais chou. Oh, vas-y, c'est bon. Double la télé. Bon, je vais faire mon petit haul de ce que j'ai acheté à l'aéroport. J'ai juste acheté des trucs Victoria's Secret. Alors, pour commencer, j'ai pris cet ensemble body. Franchement, il est trop pratique parce que vous savez, ça fait effet un peu sport, pyjama, mais vous pouvez aussi le mettre en tant que tenue et tout, trop stylé. J'ai pris le même en plus foncé, donc j'ai pris de la taille S. Donc, je vais vous les essayer après, vous allez voir porter, ils sont incroyables. J'ai pris ensuite ce short avec marqué pink comme ça, et vous pouvez aussi le retourner, donc ça fait un effet un peu plus avec la ceinture, comme ceci. Et cette matière, elle est trop bien, donc vous pouvez l'utiliser bah, pour dormir, pour le sport, ou même pour aller à la plage, en bref, comme vous voulez. J'ai pris ensuite cette brassière, franchement, elle était trop belle, genre j'ai trop craqué pour la couleur comme ça, saumon, magnifique. Avec les détails comme ça, juste ici, avec marqué pink toujours.
J'ai ensuite pris cette brassière là, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Je pense que je vais la mettre en maillot de bain ou je sais pas, avec le short pour traîner à la maison. Je pense que ça peut faire beau. Donc voilà, donc j'ai pris ça aussi en S. Et pour finir, j'ai pris des sous-vêtements, mais bref, je vais pas vous montrer en détail. Et j'en ai eu pour 495 AUD, ce qui équivaut à 130€. Donc voilà, je vous montre juste le petit ensemble, comment il est remporté. Franchement, il est canon et en blanc encore plus, juste ce qui est dommage qu'il est un peu transparent. Mais je suis trop contente, je vais être vraiment avec toutes les occasions. Je fais un double pyjama Kazizou avec les nouvelles frites McDo. Oh, j'ai trop faim, purée. Moi aussi. Non mais... On a dit quoi? Plus de McDo pour toi, t'es au régime mon bébé. Y'a plus pour toi ma vie. Je suis pas gros. Mon cœur, t'as un gros ventre quand même. C'est pour moi? Ah non, c'est pour moi ça. Ah. Ah, tu sais ce que j'ai pris pour toi? Quoi? Je t'ai pris une petite friandise. Mais vas-y, je crois que j'ai un chat, je me dis pris. Pour ton régime. Ah, et nouvelle papatas fritas. C'est une nouvelle frite McDo? Ouais. Aux légumes. Et parce que ton régime touche pas. Et toi t'as ça? Ouais, moi j'ai ça avec les sauces. Ça. Ah tiens, t'as des pommes aussi. C'est ton dessert, moi c'est mon dessert. Allez. Bon appétit. Je suis trop contente. J'ai trop bien mangé. C'est pas des frites ça, mon gars. Regarde. Les gouttes. Mais tu crois que je suis là? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais mon cœur, t'es sérieuse? Toi, t'es en train de bien grailler ça? Et moi, tu me donnes ça comme si j'étais végétarien? Mais mon cœur, je t'ai fait ton régime, merde! Je peux pas nous faire ta petite carotte? C'est un goût spécial en bouche, c'est très caoutchouté. C'est pour ton régime, c'est pour ton ventre. Tu me remercieras plus tard! Mais vrap, chef! Tu touches pas! Oui? Ça, j'ai le droit avec le régime. Non. Ouais. Mais je suis pas gros, mais je suis pas un lapin pour manger ça, moi! J'ai des... C'est dégueulasse, ça mange pas. Les filles, je suis partie à Sephora, je vais vous montrer les pépites que j'ai achetées. Alors, pour commencer, j'ai pris le fameux fond de teint Giorgio Armani à 62€, donc il a intérêt à être bien. En plus, il est vraiment tout petit pour le prix, mais la maquilleuse, elle m'en a mis un petit peu, et regardez, il est vraiment naturel. J'ai ensuite pris ce parfum, je sais pas si vous connaissez, c'est de la marque Jimmy Choo. C'est la vendeuse qui me l'a conseillé, je l'ai pris en petit format pour tester, et ça a une odeur genre vraiment genre vanillée, un peu sucrée et tout, ça, ils sont trop bons, c'est un truc de ouf. Oh merde. D'ailleurs j'en mets tout de suite. Ils sont trop bons. J'ai ensuite pris le fameux contouring de chez Charlotte Tilbury. Ah, j'avais pas le bronzer et j'ai trop hâte de le tester. Moi j'avais celui-là et demain je vais me maquiller avec ça. Et pour finir, comme j'avais pas de pinceau pour étaler bah, ça, du coup la vendeuse m'a conseillé un pinceau voilà pour le bronzer. Et c'est tout. Voilà. Et après, ah oui, j'ai repris ça. Mais bon, ça c'était pas assez pour moi. C'était à la pharmacie. Pour me démaquiller. Parce que faut acheter du maquillage. Mais il faut aussi acheter du démaquillant. Voilà. Bisous. On s'offre 3 cadeaux chacun d'une valeur de moins de 15€. Est-ce que t'as respecté le budget? Non. Moi non plus. Bon. Pour mon premier cadeau, c'est le stéréotype. C'est toute la France offre ça à Noël. C'est quoi? Le coffret Yves Rocher. Je pue ou quoi? Mais ouvre! Oh.
je pue en fait. Moi, c'est ça. Une Chupa Chups. C'est envie. Trop bien. Aïe. T'es désolée ou quoi là? Mais moi, il est trop bien mon cadeau, je peux t'assommer. Aïe. Et moi, c'est quoi? Oui, donc là, tu veux que j'aille me doucher 15 fois par jour en fait, je pue. Bon, on passe au suivant. Deuxième cadeau, je tiens à préciser que la boîte à maquillage à Anya est du carton. Non, mais c'est pas que cette boîte. Du coup, tada. Oh, trop bien. Elle est pas trop mignonne? Si, j'aime trop, merci. Attends, c'est ça. C'est des gants en grenouille, des mitaines. Ah, attends, parce il est claqué ton cadeau. Mais il fait froid dehors. Non, mais Anya, tu vois bien que ma mère rentre même pas dedans. Ah bon? Mais Anya, tu crois que j'ai une taille? Oh, c'est trop beau. Vas-y, et quand t'as froid, tu mets ça. Tu ranges tes petits dents. Mais tu vois pas, c'est pour les gosses de 2 ans, frère. Ah, t'aimes pas? Ah ouais, toi, tes cadeaux, ils sont rainés à côté des miens, la vie. Moi, ils sont trop bien, mes cadeaux. Dernier des chocolats cadeaux que toute la France offre à sa famille. Merci. Et toi, ton cadeau, c'est un téléphone. Parce que tu les casses souvent, du coup, t'en auras un d'avance. Avec du maquillage dedans. Oui, mais ça compte donc pas. Donc moi, j'ai une gueule à maquiller, Anya. J'ai une gueule à mettre ça sur ma peau. Ah, franchement, non, tes cadeaux sont claqués. Mais c'est quand tu casses tes iPhones. Bah tiens, je te casse aussi. Non. रानी माई तो स्वर्ग से धरी है मजा करवाई दोनों जने रानी माई तो स्वर्ग से धरी है मजा करवाई दोनों जने मजा कर पाई दोनों जाने रानी भौजी अलग कोई दे पाई मजा कर पाई दोनों जाने On est à Dubaï, on est en train de faire du ski. Regardez, il y a des télésièges et tout comme dans le vrai ski. C'est on pas a un télésiège, c'est un télépéage. Mais vas-y toi, va dormir. C'est là où ça monte tes fesses. Oui, c'est un tire-fesses, c'est pas ça, c'est un télésiège. Vraiment personne et moi je vais faire cette descente là. Regardez comment elle est immense. La descente des nazes. C'est la piste verte, c'est moi, ça. Et là-bas, il y a une piste rouge, mais jamais de la vie je fais ça en fait. Et Olivia, elle sait pas skier, du coup on va voir ce que ça donne sur la piste. J'ai déjà skié mais j'avais 13 ans. Voilà. Classe de neige, classe de... Regardez. Non, et j'ai eu ma troisième étoile. Waouh. Bon du coup Zizou il continue sur son télésiège tout en haut et nous on s'est arrêté ici. Regardez Zizou il est tout en haut. Allez c'est parti, maintenant avec Olivia on va descendre la piste verte. Vous êtes prêtes les nazes? Anya je crois que t'as oublié ma mère hein. Maman tu fonces dans le mur. Concentre-toi. Maman, arrête de faire la meuf, tu vas tomber. Ah, j'ai déjà descendu une moitié. Ma mère, est-ce tout ça? Là, tu crois que t'as fait un truc de ouf ou quoi? T'as fait un truc vert pour les bébés? Ma vie, j'en peux plus, c'est trop dur. Zizou, il est descendu tout là-bas, maintenant c'est à nous de le rejoindre. T'es prête, Olivia? Ouais. Regardez, Olivia, elle commence. Moi, je la suis. Wouh, allez, c'est parti. Regardez comme on est vraiment des pros. J'ai très, très peur. Je me transforme en mec vu qu'il préfère sortir avec ses potes que moi. Mais moi, c'est bon, les filles. Il préfère sortir avec ses potes que sortir avec moi faire du shopping. Donc moi, je me transforme en mec, en fait. J'en ai marre. Bon, du coup, tu connais, c'est toujours à base de petites sacoches, à base de petites claquettes, parce que j'ai pas reçu mes TN, tu connais, mais du temps arrivé. Hé, comment ça, bébé? Toi, t'es malade ou quoi? M'appelle pas bébé, le sang. Hé, comment ça, bébé? Moi, je suis pas ton bébé. Voilà, t'es un malade ou quoi, toi? Pourquoi tu rigoles comme ça, le couze? Eh, moi, j'ai juré, tu rigoles pas sur moi, toi. Tu te fous de ma gueule, tu veux qu'on se batte ou quoi? Voilà, tu jures pas. Voilà, tu. Pourquoi tu fais que jurer au là? Vas-y, parce que tu connais, nous, les mecs, on jure pour rien, parce qu'on est des gros mythomanes. Mais voilà que je jure pour rien, c'est bon ou pas? Pourquoi tu rigoles? Eh, tu veux pas que tu jettes ma claquette sur ta gueule, frère? Vas-y, rigole, mais pas sur moi, je veux pas qu'on se tape, je te le dis direct, en fait. Vas-y, viens, ma gueule. Oh, frérot, vas-y, check. Ouais, frérot. On y va ou pas, ma gueule? Depuis tout à l'heure, je t'attends, t'es là, tu mets du temps, ouais. Je crois que t'es une gâchis pour mettre du temps comme ça.
Eh, vas-y, viens, on sort. Je sais pas, tu veux sortir avec tes potes. Ben vas-y, c'est moi ton poteau maintenant. Allez, on y va, ma gueule. Là, il te manque la bosse, là, bébé. Mais y'a pas de bosse, t'inquiète. Comment ça te dit, tu veux que je te batte, là? Vas-y, dépêche-toi, là, mets tes claquettes, on y va. Imbécile. Dépêche-toi, là. Tu crois que j'ai le temps ou quoi? Eh!